Bonjour tout le monde, je me présente Marie-Ève Arbour, je suis la fondatrice de Visages régionaux. Je suis vraiment très contente de vous recevoir pour ce webinaire sur l'attractivité municipale. Je dois vous avouer que c'est notre tout premier webinaire chez Visages régionaux, donc on est en mode test aujourd'hui. Alors, quelques petites indications avant de commencer. Ma présentation va durer 20 minutes. Il va y avoir une période de 10 minutes de questions. Si en cours de route ou si même maintenant, là, vous avez des questions techniques qui vous viennent, ma collègue Maude est en ligne avec nous, donc elle va pouvoir vous répondre. Pour poser une question, c'est très simple. Vous cliquez sur la petite bulle de chat, vous inscrivez vos questions. Et si c'est des questions qui concernent le contenu, ben, je vais y revenir à la fin. Je vais prendre le temps, là, de les aborder. Si jamais on n'a pas le temps de couvrir l'ensemble des questions ensemble, je vous laisse mes coordonnées à la fin de la présentation. Donc, on pourra, en fait, vous pouvez me revenir et je pourrai prendre le temps de répondre à l'ensemble de vos questions. Je voulais vous dire aussi que la vidéo va être disponible en rediffusion après le webinaire d'aujourd'hui. Donc, vous pourrez la regarder à partir de notre chaîne YouTube. Alors, on rentre dans le vif du contenu. Je prends le temps quand même de nous présenter chez Visages régionaux. On est une agence de marketing territorial et de développement des communautés. Donc, il faut nous voir un peu comme une forme d'hybride entre une agence de communication créative et une firme de consultants en développement du territoire. Ces deux volets-là sont super importants pour nous parce qu'on croit au pouvoir des communications pour faire connaître le mode de vie des régions, mais on pense aussi qu'elles doivent continuer à se développer pour répondre aux besoins des nouvelles générations. La majorité des mandats qu'on fait chez nous, bien qu'on travaille souvent avec des municipalités, se font avec des MRC pour développer ce qu'on appelle leur marque territoriale. Donc, on part du principe qu'une MRC gagne à faire des efforts qui sont concertés pour faire la promotion de l'identité du territoire, mais on pense aussi que les municipalités ont un rôle très important à jouer pour dynamiser leur communauté. Et à travers notre pratique, là, on constate qu'il y a de plus en plus de municipalités qui ont un intérêt d'être davantage proactives, que ce soit pour leurs résidents actuels, mais aussi pour réussir à attirer des gens de l'extérieur. Mais on constate aussi que vous ne savez pas toujours par quel bout prendre ça, par où commencer. Vous vous questionnez sur les coûts, sur le temps que ça va prendre, sur qui même va porter ça à l'interne. Et ça, c'est juste une partie des questions. Vous vous demandez probablement aussi comment se démarquer en tant que municipalité. Comment faire en sorte pour que les gens vous choisissent plutôt qu'une autre et comment faire pour qu'ils s'établissent finalement de manière durable. Je vous dirais que ces questions-là, vous êtes loin d'être les seuls à vous les poser. Actuellement, au Québec, il y a 14 régions administratives sur 17 qui ont comme priorité l'attractivité du territoire dans une de leurs priorités au phare, le Fonds d'aide au rayonnement des régions. Donc, en tant que municipalité, vous êtes probablement interpellé, voire même impliqué dans une démarche à l'échelle régionale ou à l'échelle de votre MRC. Les stratégies se multiplient et tout le monde cible à peu près la même clientèle, les jeunes familles, les travailleurs, les entrepreneurs et les personnes immigrantes. Alors, nous, notre rôle là-dedans, c'est de vous aider à trouver les réponses à vos questions, d'identifier ce qui vous caractérise, mais surtout ce qui vous distingue comme municipalité, de vous aider à vous projeter dans l'avenir, de voir quelles sont vos aspirations pour le futur et d'identifier comment vous aimeriez être perçu. Tout ça en identifiant les gens que vous êtes le plus susceptible d'attirer. Après ça, il va rester à identifier des actions de communication, des actions de développement local pour les rejoindre et à être attractifs à leurs yeux. Alors, si ce que je viens de vous dire vous semble flou, sachez que c'est tout à fait normal. Nous, on fait ça à chaque jour, mais c'est une approche qui est relativement nouvelle pour une municipalité. Alors, pour rendre ça plus clair, j'avais envie de vous donner un exemple concret, pour vous expliquer la démarche et le genre d'actions qui peuvent en découler. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter le cas de Saint-Ubalde, qui est une municipalité de 1 400 habitants qui est située dans la MRC de Portneuf. C'est Annie Brault, qui est conseillère municipale là-bas, qui m'a approchée au départ. Et donc, pour vous expliquer ce qu'on a fait avec Saint-Ubalde, j'ai une petite présentation que je vais vous partager. En fait, je vais vous partager mon écran de manière à ce que vous puissiez voir tout ça. Donc, ça va prendre juste quelques secondes de transition. Donc, voilà.
On y est. Donc là, à ce moment-là, vous ne me verrez plus, mais vous allez continuer à voir mon écran. Donc, le besoin à Saint-Hubert. Quand on nous a interpellés, quand Annie nous a interpellés, ce qu'elle avait besoin, c'était de créer une nouvelle image pour les communications. Il faut savoir que Saint-Hubert avait déjà un logo, avait déjà un site web. Ils n'avaient pas envie de tout changer, mais ils avaient besoin d'une image pour fédérer leurs besoins de communication. Ils avaient besoin de trouver les bons arguments pour parler de leur municipalité et ils avaient aussi l'intention d'attirer des jeunes familles. Alors, ce qu'on leur a proposé, c'est une démarche de marketing territorial en milieu municipal. C'est une démarche qu'on a construite à travers notre pratique pour s'adapter au contexte des petites municipalités québécoises. C'est un processus qu'on a échelonné dans le cas de Saint-Hubert sur une période de 6 mois. Normalement, maintenant, on parle de entre 4 à 6 mois, là, dépendamment des milieux. On a impliqué une dizaine de personnes qui se sont réunies dans le cadre d'un comité de travail à raison de 4 rencontres. Donc, ça peut être entre 3 et 4. Du côté de Saint-Hubert, on est allé à 4 rencontres et on a eu également la chance de consulter 200 personnes à travers la consultation publique qu'on a mis en place et vous comprendrez à quoi ça ressemble un petit peu plus loin. Donc, 4 grandes étapes là, pour bâtir un plan d'attractivité municipale pour se lancer dans une démarche comme celle-là. Une première étape d'analyse du territoire et à travers laquelle on va prendre le temps de former un comité. Ensuite de ça, on s'intéresse à construire votre plateforme de marque, on crée votre identité visuelle et ensuite on bâtit votre plan d'attractivité. Donc, les 4 étapes que vous voyez là, on va passer en profondeur là, à travers chacune d'entre elles pour que vous montrer un peu à quoi ça ressemble là, du côté de Saint-Hubert. Donc, notre première étape, analyse et formation du comité de travail. Donc, la première étape, c'est de former notre comité, les gens avec qui on va travailler. Et là, je vous montre une petite photo pour vous montrer le comité qu'on a réuni. Évidemment, il manque des joueurs sur cette photo-là, mais on a rassemblé des élus, on a rassemblé des membres de l'équipe municipale, mais également des citoyens qui avaient envie de s'impliquer dans une démarche comme celle-là et des entrepreneurs qui présentaient des enjeux au niveau de leur main-d'œuvre. Donc, un comité diversifié basé sur l'implication et le temps que les gens ont envie de donner dans un projet comme celui-là. Dans la démarche, on prend le temps de former les gens avec qui on travaille parce que c'est important qu'on parle tous la même langue, qui est celle de l'attractivité du territoire. Donc, pour faire ça, on a en fait créé la toute première formation en ligne sur l'attractivité municipale au Québec, qui s'appelle la Fusée 1840. Donc, on la met à disposition dans le processus. C'est une formation par la vidéo. Donc, c'est très simple, 20 capsules vidéo de 4 à 6 minutes chacune qui permettent de faire le tour du sujet. Et là, je vous explique rapidement à quoi ça ressemble, cette formation-là. Dans le contenu, premier module, on regarde, bon, mais c'est quoi une municipalité attractive? Pourquoi on devrait cibler les 18 à 40 ans? Dans le deuxième module, on approfondit un peu plus la question de la génération des 18 à 40 ans. Donc, c'est quoi leurs caractéristiques? Pourquoi ils déménagent en région? Mais surtout, qu'est-ce qui motive leur choix d'une municipalité plutôt qu'une autre? Question qui doit probablement fort bien vous intéresser. Ensuite de ça, dans le troisième module, on regarde comment agir sur le développement du milieu en fonction des attentes de cette génération-là. Donc, on vient regarder différents leviers d'action sur lesquels vous pouvez agir en tant que municipalité. Donc, que ce soit, bon, comme vous le voyez là, l'accès à la propriété, on a un petit extra sur les tendances en matière d'habitation écologique parce que ça devient un élément extrêmement important chez cette génération-là. Mais également, qu'est-ce que vous pouvez faire en matière d'emploi et d'entrepreneuriat? C'est quoi les services de proximité que cette génération-là aimerait avoir dans un rayon de 20 km, par exemple? Qu'est-ce qu'on peut faire pour bonifier l'expérience de la participation citoyenne? Quel genre d'initiative on peut mettre en place pour que les gens se rassemblent sur le territoire et que la communauté se dynamise de ce fait même? Quoi faire également au niveau de la protection de l'environnement, également de la nature et du plein air? Donc, ce volet-là touche vraiment le développement de votre milieu. Et le quatrième module concerne le merveilleux monde des communications. Donc, on fait la différence entre une image de marque, l'identité visuelle et un logo. On regarde,
Donc, c'est quoi les essentiels pour réfléchir, avant de réfléchir à votre stratégie de communication? Puis, on regarde trois stratégies qui sont adaptées à votre contexte en tant que municipalité, avec un budget municipal, avec des ressources qui sont celles qu'on connaît dans les municipalités pour travailler au niveau des communications. Et le dernier module, ben, c'est celui de l'accueil et l'inclusion des nouveaux arrivants. Donc, une fois que votre gang va avoir traversé ce très court processus de formation, tout le monde part sur le même pied de départ. J'ai le goût de vous dire également que oui, votre comité, mais vos élus municipaux également peuvent écouter l'ensemble de cette formation-là. Donc, ça leur permet après ça de comprendre comment le comité travaille puis comment la démarche évolue. Pour faire l'analyse du territoire, on a un outil d'état de situation avec lequel on travaille qui comporte, dans le fond, des questions à répondre pour faire votre portrait carrément là, sur les neuf leviers d'action que vous avez vus un petit peu plus tôt. Donc, pour ensuite être capable d'identifier des actions structurantes à mettre en place. Donc, notre comité de travail va se réunir pour identifier, dans le fond, quels sont les éléments distinctifs du territoire et donc pour commencer à réfléchir à cette identité-là qu'on va vouloir faire rayonner par la suite dans les communications. Là, je vous montre un exemple à Saint-Ubalde quand on a fait la consultation publique, parce que la consultation publique fait partie pour nous d'une étape fondamentale pour faire l'analyse du territoire. Donc, ici, on avait, là, ils sont tous assis, ça a l'air d'être une présentation, mais après ça, on les a fait travailler en équipe quand même là, sur certaines propositions. Donc, consultation en personne, mais on a également un outil qui nous permet de faire une consultation en ligne qui s'appelle t'enpensequoi.ca. Donc, on peut faire les deux types de consultations ou juste un des deux, dépendamment du temps que vous avez. Donc, après ça, une fois qu'on a fait cette étape-là, on a tout en main pour passer à la deuxième étape qui est notre plateforme de marque. Qu'est-ce que c'est la plateforme de marque? En fait, c'est que ça nous permet de définir les trois pôles que vous voyez sur ce triangle-là. Donc, quelles sont les valeurs, les traits de personnalité de votre territoire? Quelle est votre vision, vos ambitions pour l'avenir? Et que cherche la génération que vous allez chercher à attirer? Et donc, pour arriver en plein cœur de ça, c'est ce qu'on appelle le positionnement. C'est la façon dont vous allez rayonner ensuite. Du côté de Saint-Ubalde, on a établi les quatre grandes orientations du plan d'attractivité pour être capable de construire ensuite le positionnement. Donc, on avait une vision d'une municipalité qui était active sur le plan de l'accès à la propriété, de l'entrepreneuriat, de la vie de famille et du virage écologique, ce qui nous a amené à construire la promesse, qui est un peu l'expression du positionnement. Donc, on a voulu représenter Saint-Ubalde comme étant la place dans Portneuf où tout est possible au même endroit. Donc, ce qu'on propose aux gens, c'est d'évoluer dans une communauté pleine de potentiel, engagée dans le virage écologique et où le mot dynamique prend tout son sens. À Saint-Tu, tu pourras construire, rénover ou acheter une maison abordable. Ici, tes enfants pourront s'épanouir à toutes les étapes de leur vie et tu pourras concrétiser ton projet d'entreprise. Notre paradis au pied des montagnes, c'est ta place. Donc, on a là-dedans tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure au niveau des axes du plan d'attractivité, le virage écologique, l'accès à la propriété, le projet d'affaires et la vie de famille. Donc, c'est vraiment global comme proposition qu'on fait aux gens qu'on va souhaiter attirer dans le cas de Saint-Ubalde. Donc, une fois qu'on a un positionnement, on est capable de refléter ça dans le visuel, dans l'identité visuelle. Donc, une identité visuelle, il faut savoir que ça comporte, oui, le logo, mais également une palette de couleurs, une typographie et l'ensemble des déclinaisons qui vont être utilisées par la suite quand on va utiliser ça sur différents supports. Pour travailler l'identité visuelle, on commence par regarder dans quel genre d'univers vous aimeriez vous situer, vous représenter. Donc, on travaille avec ce qu'on appelle des planches tendances. Donc là, je vous en montre quelques-unes juste pour que vous compreniez bien le style, à quel point cette recherche-là peut influencer le style. Donc, on est, bon, dans celle-là, dans un univers qui est très calme, qui évoque la paix, la tranquillité. Là, on est un petit peu plus actif, plein air, nature. Et là, on est plus dans le volet communautaire, agricole, patrimoine. Donc, on a différents univers. Donc, l'idée de vous présenter des planches de tendance, c'est qu'après ça, vous allez être capable de nous dire,
dans quelle orientation vous voulez qu'on aille. Et ce travail-là va nous permettre ensuite d'aboutir sur votre identité visuelle, votre logo. On vous fait évidemment plus qu'une proposition à ce stade-là, mais à la fin du processus, vous aurez fait un choix. Et donc, ça nous permet de regarder aussi à travers la démarche les différentes utilisations qui vont en être faites. Donc, de s'assurer que ça tient la route au niveau des couleurs, que ça tient la route au niveau des différents usages qu'on va être capable d'en faire. Il nous reste une dernière étape qui est le plan d'attractivité qui est divisé finalement en deux grandes sections. La première, c'est le volet du plan de communication. Donc, dans le plan de communication, c'est là qu'on va déterminer par quel axe de communication, quel message, quels outils de communication on va utiliser. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est les réalisations qui ont été faites du côté de Saint-Hubert une fois que le plan de communication a été entériné, une fois que ce premier mandat-là a été terminé, bien là, on s'est lancé dans l'exécution de différentes composantes. Donc, tout d'abord, on a fait un micro-site qui servait à faire la promotion de Saint-Hubert, de présenter ses avantages concurrentiels et ses ressources. Donc, ça nous permettait de pas, comme je vous disais en introduction, de pas tout changer le site web actuel, mais de se donner une opportunité pour les communications. On a fait une campagne sur les réseaux sociaux, donc qu'on a animée pendant un an, qui nous permettait de communiquer les différents attraits. Et à travers ça, on a également créé une campagne sur l'entrepreneuriat. Parce que, comme je vous le disais tantôt, ça faisait partie des éléments clés du positionnement. Du côté de Saint-Hubert, on a 65 entreprises pour 1 400 habitants. Donc, ça fait partie de leur identité d'avoir quand même un volet entrepreneurial qui est fort. Donc, on a voulu appuyer davantage là-dessus et de les présenter, ces entrepreneurs-là, mais également d'appeler les futurs arrivants à eux-mêmes se lancer en affaires. Pour les réseaux sociaux et le web, on a créé une campagne vidéo qui s'est déclinée en trois vidéos distinctes qui appuient chacun d'entre eux sur un des éléments fondamentaux du positionnement. Et on a travaillé une stratégie de diffusion, donc qui permettait d'avoir des partenaires, des entrepreneurs et des citoyens qui allaient être impliqués dans la diffusion de la campagne. Et ça fait vraiment la différence quand on veut réussir à rayonner sur un territoire qui est plus large que celui de la municipalité. On a également fait une campagne d'affichage mobile. Cette initiative-là est arrivée du simple fait que un des conseillers municipaux qui est impliqué dans la démarche, Pascal Cochon, a une compagnie de transport et nous a permis, en fait, nous a proposé d'utiliser ses camions pour vraiment lettrer l'identité visuelle et l'exposer. Et maintenant, il y a 10 camions qui circulent à travers la province à chaque jour avec notre identité visuelle. Donc, une belle façon de circuler dans l'espace. On a également des ambassadeurs qui ont été désignés pour lettrer leur voiture et également des petits autocollants qui ont été distribués à travers la population. Et on avait également des objets promos qui ont été distribués à l'extérieur, dans le territoire, mais également lors d'événements où il y avait des gens de l'extérieur qui venaient faire leur tour. On a également fait un événement de lancement, donc un moment où est-ce qu'on a pu célébrer tout ce travail-là, puis surtout reconnaître l'implication des gens et s'assurer qu'on ait une répercussion médiatique intéressante. Finalement, après 2 ans, le micro-site s'est transformé et est devenu le site web de la municipalité. Donc, si vous allez sur le site web de Saint-Hubert, ce que vous allez voir sur la page d'accueil, c'était ce qu'on avait fait à l'époque, le micro-site. Mais maintenant, l'ensemble de l'information qu'une municipalité doit mettre de l'avant pour ses citoyens se retrouve en fait, c'est un site web global maintenant. Donc, voilà pour le premier morceau, celui des actions de communication. Il nous reste à parler de l'autre bout, celui des actions de développement local. Dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, évidemment, là, on n'aura pas le temps de traverser l'ensemble de leur plan de développement local qui était annexé au plan de communication. Par contre, je vous donne deux petits exemples d'actions qui ont été, en fait, qui sont soit été développées ou qui sont en cours de développement. On a travaillé un outil d'accueil des nouveaux arrivants, donc une espèce de carte où est-ce que les gens peuvent aller découvrir des commerces locaux.
Donc, à travers ça, faire un pas de plus pour faciliter leur intégration dans la communauté. Puis, il y a également dans les cartons un projet de développement résidentiel écologique sur lequel la municipalité travaille. Donc, encore une fois, pour être bien aligné sur le positionnement qu'il s'est donné. Donc, je vous fais un petit récapitulatif des rencontres de travail pour que ça vous donne un aperçu de quoi ça peut ressembler. Première rencontre, le comité échange sur les éléments distinctifs du territoire, discute sur les planches tendances. Deuxième rencontre, présentation du positionnement. Donc, on va avoir fait toute l'analyse, on vous présente des pistes et on en jase, évidemment, voir si ça vous convient, s'il y a des petits ajustements à faire. Et par le fait même, on vous propose des identités visuelles à travers lesquelles vous allez devoir faire un choix. Et la troisième rencontre, on dit qu'elle est optionnelle, mais ça peut, c'est un beau moment d'échange là, à travers les membres du comité sur les différents leviers d'action de développement du milieu et sur les communications. Donc, ça termine ma petite présentation. Donc, je reviens à vous ici. Donc, vous avez en 20 minutes pu voir à quoi ça ressemble un processus concret. Évidemment, tout ce qui est contenu dans le plan peut être après ça mis en mode opération, en mode exécution. On peut vous accompagner là-dedans si besoin ou vous référer à des ressources là, qui sont compétentes pour vous accompagner là-dedans. Voilà, ça fait le tour. Je voulais vous dire également que si vous avez encore des gens à convaincre avant de vous lancer dans un grand processus comme celui-là, vous pouvez aussi, tu sais, je vous ai parlé de la formation en ligne tantôt, vous pouvez juste prendre ce petit morceau-là de la formation en ligne, commencer à regarder ça, commencer à vous familiariser avec le sujet. Puis on a également un rapport là, sur la migration et la vie en région d'un sondage qu'on fait à chaque 2 ans qui permet de comprendre pourquoi les 18-40 déménagent en région et comment vous distinguer finalement en tant que municipalité. Donc, voilà, on rentre dans la période de questions. Alors, vous pouvez aller sur la petite bulle pour y inscrire vos questions auxquelles je vais répondre verbalement. Et je voulais vous dire également que vous avez aussi 2 documents que vous pouvez télécharger là, qui sont disponibles dans l'interface. Donc, vous allez pouvoir repartir avec 2 documents. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Bon, j'en ai une première ici. Alors, on me demande, notre municipalité, ah, ça c'est une bonne question, a déjà refait son logo il y a 2 ans et nous n'avons pas l'intention de le changer complètement. Alors, comment est-ce qu'on peut travailler? Alors, sur cette question-là précisément, c'est très simple. En fait, vous avez vu les 4 étapes là, du plan notre activité, analyse, après ça le positionnement. Bien, on peut carrément sauter par-dessus le morceau de l'identité visuelle et tomber tout de suite dans le plan notre activité. Évidemment qu'il y a des municipalités qui ont déjà fait ce travail-là d'identité visuelle, donc on peut utiliser votre identité visuelle ou encore. Tu sais, quand on analyse beaucoup comment les marques se construisent en Europe, les marques territoriales se construisent en Europe, aux États-Unis, puis même ici, on constate qu'il y a quand même un intérêt à dissocier l'image de l'organisation qui porte le volet attractivité de l'image qui est utilisée pour l'attractivité. Donc, ça fait en sorte que comme c'est un projet dont les enjeux dépassent largement le simple fait que les municipalités doivent se lancer là-dedans, en fait, ça peut être intéressant d'offrir une image qui est plus diversifiée finalement que celle de la municipalité. Donc, on voit vraiment les deux. C'est comme avec le microsite de Saint-Hubert, on avait une image pour l'attractivité qui était le microsite et on avait une image qui était le site web de la municipalité avec les informations de l'organisation municipale et les deux ont cohabité pendant un certain temps jusqu'à ce que finalement, ça soit fusionné, à travers le temps. Donc, on a une autre question ici. Pourrons-nous recevoir, revoir et où avoir les dispos de cette présentation? Tout à fait. Je vais vous envoyer ça, à la fin. Donc, oui, il n'y a aucun problème, là, je vais vous faire parvenir tout ça.
Et on a une autre question, à savoir, est-ce que le comité est obligatoire? Ça aussi, c'est une bonne question. En fait, j'ai le goût de vous dire que ça dépend de vous. Ça dépend de comment vous avez envie de porter cette démarche-là. Parfois, on travaille avec vraiment juste une petite équipe restreinte qui est une équipe municipale. Puis parfois, on travaille avec des comités. Les deux sont possibles, là, mais la plus-value de travailler avec un comité, puis c'est pour ça qu'on l'intègre dans notre approche, c'est que ben, ça nous permet d'avoir des points de vue qui sont variés, ça nous permet d'aller chercher des gens dans la communauté pour aller chercher non seulement leur point de vue, mais leur implication. Donc, moi, j'ai le goût de vous dire, comme c'est deux ou trois rencontres, ça peut aller jusqu'à quatre, dépendamment du niveau d'implication. T'sais, c'est facile de leur demander une implication en leur disant, ben, c'est deux ou trois rencontres, puis ça s'arrête là pour le début. Et après ça, on voit s'ils ont envie de s'impliquer par la suite, mais ça peut être une belle façon après ça. On l'a vu là, dans certains cas où est-ce qu'on a impliqué les gens dans deux ou trois rencontres, puis après ça, il y avait le goût de continuer. Il y avait le goût de s'impliquer dans une démarche là, de porter des actions qui allaient être mises dans le plan. Ensuite de ça, une autre question que j'ai ici, comment fait-on pour convaincre les élus de se lancer dans une démarche? Ça aussi, c'est une bonne question. Parfois, ça, tu sais, la demande peut provenir de différents horizons. Parfois, c'est des gens dans votre équipe municipale qui vont avoir envie de proposer ça aux élus. Donc là, nécessairement, il y a un processus où est-ce qu'il faut réussir à les convaincre de mettre ça au budget, par exemple, dans cette période-ci. Puis parfois, ça vient d'un élu qui a envie de porter ça, qui a convaincu sa gang et tout ça. Évidemment que si vous êtes en mode essayer de convaincre vos élus à travailler là-dedans, c'est toujours bon d'appuyer cette démarche-là ou ce besoin-là sur des faits. Actuellement, au Québec, il y a quand même un grand nombre de municipalités qui vivent le vieillissement de la population, les impacts du vieillissement de la population, qui vivent les impacts de la rareté ou la pénurie de main-d'œuvre, dépendamment du point de vue où on se place. Et de la dévitalisation aussi, hein, des communautés rurales. Donc, j'ai envie de vous dire, travailler avec des faits, travailler avec apporter ça à votre conseil. Et si vous avez besoin qu'on se déplace pour faire une présentation, c'est tout à fait possible. Parfois aussi, ils ont besoin d'un peu plus de contexte puis d'explication sur ce que c'est le marketing territorial. On donne une formation qui dure une journée avec la FQM, la Fédération québécoise des municipalités. C'est une formation qu'on peut venir donner dans votre milieu aussi. Il y a la formation en ligne. Fait que tout ça permet de diffuser de la connaissance, de diffuser de l'information sur votre contexte précis. Puis je pense qu'à travers tout ça, c'est important de le relier à votre contexte. Donc ça, c'est mes petites suggestions là, pour réussir à convaincre vos élus. Donc, j'en ai encore quelques-unes et là, il est exactement midi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les dernières questions puis qu'on pourra regarder. En fait, là, je vais vous proposer là, qu'on puisse échanger là-dessus ensemble dans un autre moment. Alors, je vous remercie vraiment beaucoup de votre présence aujourd'hui. C'est toujours drôle de parler à un écran et de pas être capable d'avoir les gens, de pas vous voir. Mais bon, j'espère que ça a été apprécié. Alors, voilà, je vous laisse aller et je vais également là, vous mettre la page de mes coordonnées là, en dernier lieu pour que vous puissiez voir mes coordonnées. Alors, voilà. Et aussi, dernière petite information. Je vais juste placer ça comme ça aussi. Il va y avoir d'autres webinaires parce qu'on commence à y prendre goût. Alors, on va vous envoyer également un petit formulaire là, de quelques questions pour évaluer le présent webinaire. Et si vous avez des besoins, si vous avez des idées sur lesquelles vous aimeriez qu'on fasse un webinaire, ça va nous faire plaisir. Alors, voilà, je vous laisse aller dîner. Merci de votre présence.